Bien. Bon, on va créer un style qui porte vraiment le nom, un nom autre chose que paragraphe standard. Alors, vous pouvez donc mettre le curseur texte dans n'importe quel bloc, faire un CTRL A, et avec le texte là qui est sélectionné, on va créer un nouveau style. Nouveau style de paragraphe que je vais appeler corps du texte, basé sur aucun style. Ok. C'est mieux parce que paragraphe standard, il faut pas garder ça. Ah oui, au fait, c'est indiqué entre parenthèses parce que c'est créé par InDesign, en fait. C'est un peu la même chose que dans le nuancier, fenêtre couleur nuancier. Vous avez certaines couleurs qui sont impossibles à enlever. Elles sont générées par InDesign. Ah, au passage, je vous préviens tout de suite que n'utilisez pas la couleur repérage, ce n'est pas du noir. Ça ressemble à du noir sur l'écran, mais en réalité, c'est une superposition de toutes les encres utilisées à l'impression. Cyan, magenta, jaune, noir. Si vous mettez un bloc avec cette couleur repérage, vous allez obtenir un taux d'ancrage, ENCRAGE, donc un taux d'encre sur le papier qui sera de 400%. 4 fois 100% de... Oui, 100% de chacune des 4 encres, ça fait 400%. Et on ne peut pas dépasser 280, sinon le papier ne sèche pas quand il est imprimé. Et ça commence, il commence à se tacher. Les feuilles se tachent l'une l'autre à la sortie de la presse. Il faut jamais... oui, il y a quand même des règles. Vous ne pouvez pas faire des couleurs au-delà de 280% d'ancrage quand on... Vous voyez ce que je veux dire, hein? Donc le repérage, c'est spécial pour les traits de coupe, en fait. Je le dis parce que c'est, chez les débutants, on voit souvent cette erreur-là. Tiens, on fait du texte et on a mis la couleur repérage. Et puis quand on imprime, bah, le texte... si c'est du petit texte, comme ça, on voit apparaître sur le bord des lettres un petit bord cyan, magenta, jaune. C'est foireux complètement. Si c'est sur des grosses zones noires, ben ça sèche pas et ça tache le papier à la sortie de la presse. Donc attention, noir c'est 100% d'encre noire, repérage c'est 400% d'encre. Les 4 encres à fond.